You'll Never Walk Alone. 45 000 personnes ont repris l'hymne de Liverpool, se sont levées et ont frappé des mains ensemble pour honorer la mémoire de l'un des leurs, Avi Cohen. Tous les supporters d'Anfield Road ont rappelé au monde que l'on est Reds et que l'on meurt Reds. Avi Cohen, 54 ans, ancien footballeur israélien, est décédé mercredi dernier des suites d'un accident de scooter survenu proche de la Bourse de Diamants à Ramat Gan. Pendant une semaine, tout un pays a prié à l'unisson de son fils Tamir et de sa femme Dorit qui attendaient un signe de leur cher Avi. Mais cette fois, Avi ne s'est pas relevé de ce terrible coup porté à tout le monde du sport en Israël. Avi Cohen, c'est entre autres deux championnats d'Israël avec le Maccabi Tel Aviv, un championnat d'Angleterre et une Coupe d'Europe des clubs champions en 1981 avec Liverpool. La Fédération israélienne de football avait réuni jeudi dernier plus de 20 000 personnes au stade national de Ramat Gan pour offrir un dernier hommage à cette véritable légende du sport en Israël.